Jesse. Va libérer sa vie. Il y a une alliance entre elle avec un démon. Elle est mariée avec un esprit. Donc toute personne qui va se marier avec elle aura un problème. Saint-Esprit en vous, vous avez une autorité. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous avez le Saint-Esprit, vous maîtrisez la situation de votre maison. Tu vas partir? Hmm? Tu vas partir? Si. Qui es-tu? Ah, elle est belle. C'est ça qui blague nous les garçons. Ça va, ça va? Ça va? Bien. Comment t'appelles? Je m'appelle Marie. Quel nom est-il là? Sylvie. C'est Sylvie. C'est Bello. Donne-moi ton numéro. Quand tu appelles, tu tombes si elle messager et je lui fais la WhatsApp. La... En fait, c'est moi. Oui. Faut partir. Elle va te montrer qu'il y a une issue d'aubergine. Quand tu finis de l'embrasser, ton cerveau voit ça comme des guerres. Vous voyez quelqu'un, vous mettez vos bouches. Vous voyez vos bouches. Toute la journée, c'est une même nuit sur moi. C'est toi qui as plus de nuit dans l'hôtel. Tu vas la lâcher? Tu vas la libérer? Si. 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 Allez! Feu! Allez, come on! Feu! Lâche-la! Au nom de Jésus, c'est des personnes musulmanes, hein. C'est pas... Ici, on délivre tout le monde, hein. On n'a pas à faire les dents. Si tu es possédé, on peut te délivrer. C'est pas une question de dents, tu as besoin d'être délivré. Tu vas la laisser. Vous voyez, l'esprit même dit, et la lâche pas. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une alliance entre elle et le démon. Et sans le savoir, vous épousez une femme comme ça, un homme comme ça dans votre vie. Lâche-la. Tu vas la libérer. Qui es-tu? Aujourd'hui est ta fin dans ce corps. Voilà, c'est ta fin. La fin de ton règne. Nous savons une seule chose, voilà. Jésus-Christ t'a vaincu à la croix. Et pendant que je pars, maintenant, lâche-la. Lâche-la! Feu! Comment tu es entré dans sa vie? Depuis qu'elle est petite. Vous voyez? L'esprit est clair, lui. Depuis qu'elle est, elle est petite. Très bien. C'est depuis qu'elle est petite que dans sa vie. Hein? Et comment tu es rentré? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Tu as gâté quoi? Tu as gâté son argent. Quelle alliance se gâte? Vous voyez? Donc l'esprit montre déjà les dégâts qu'il commet dans la vie de la soeur. Il dit son argent. Ça veut dire que quand l'alliance se gâte. Mais ça veut dire que ça a une origine, ça veut dire que c'est spirituel. Vous avez l'impression que vous avez de l'argent, vous dépensez, ça rentre dans les conneries. Vos projets n'arrivent pas à aboutir. C'est pour ça que je vous dis, il faut que chacun se fasse délivrer.
Et tu as gâté quoi d'autre? L'argent et quoi? Tu as gâté quoi encore? Tu l'as marié, c'est ça? Hein? En esprit, tu l'as épousé, c'est ça? C'est ça? Ça fait combien d'années que tu es avec elle? Tu as gâté son argent, tu as gâté quoi? Elle n'a pas de chance, c'est ça? Elle n'a pas de chance, c'est ça? Parce qu'elle veut aider les gens, je ne veux pas. Tu ne veux pas? Qu'elle soit avec quelqu'un qui aide les gens, c'est ça? Et puis quoi encore? Quoi d'autre? Tu viens d'où? Toi l'esprit, tu viens d'où? C'est où tu es quitté pour entrer en l'air? Tu viens d'où? Bah, tu viens d'où? C'est ça qui va avoir une autorité de Dieu. C'est important. Tant que tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas chasser un démon, ce n'est pas possible. Tu vas partir? Comme le feu sur toi. Pendant que je parle maintenant, libère-la. Voilà, libère-la. Tu sors de sa vie aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est parfait. Manifeste-toi et va. C'est ta fin aujourd'hui. Maintenant, tu pousses ton cul et va. Libère-la en ramenant toute sa chance, sa richesse, son mariage, toute sa vie, son bonheur. Tu me ramènes tout ça maintenant. Tu me restitues ça au nom de Jésus de Nazareth. Et libère-la maintenant. Voilà, pas. Pas. Tu pars, je brise les alliances. Je brise les alliances au nom de Jésus. Je condamne ta résistance au nom de Jésus. Libère-la maintenant. Voilà, libère-la. Quitte son pied. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Lâche-la. 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 Sauf là qu'il vous fait le Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit en est, lâche-la. Libère-la. Dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth, tu parles maintenant, aujourd'hui, tout de suite, va, au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus, je brise l'alliance, je brise toute forme de pacte, au nom de Jésus de Nazareth, tu la libères maintenant, tu la libères, voilà, définitivement, va-t'en. L'esprit entend les sorties. Voilà, ça. Va-t'en. Laisse-la sortir. Voilà, c'est fini. Comment elle s'appelle? Vous le valide, bien. Je l'ai mis là. Voilà, laisse-la. Viens. Viens. Comment tu t'appelles? Fatmata, viens ici. C'est fini, tu es délivré. Ça va? Ça va?
Où est ton mari? Comment il s'appelle? C'est Marc ou bien c'est vous, c'est nous, c'est Carabou. Vous êtes le mari? Venez. Ta femme est délivrée. D'accord. Amen. Amen. Il dit ça, ça va, ça va. Il dit d'accord. Oh non, on dit amen. Amen à ce qu'on dit amen. Ok, amen. Tu es Doula? Oui. Jésus a délivré la femme. Et regardez comment il fait. Il a peur. C'est jamais la vie. Ah, tout à fait. Il connaît pas carré. Ouais, c'est Dieu. C'est fini. Tous tes problèmes sont loin d'être résolus. C'est fini. Maintenant, tu vois tout le bonheur vous accompagne. Aujourd'hui, c'est ta fin. Si. Si. C'est la fin de ton rêve. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Non, elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. C'est fini ça. Tu ne régneras pas sur cette vie. Tu ne régneras pas sur cette vie. Tu ne régneras pas sur cette vie. Tu m'attends? Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Laissez, 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 laissez-la. Hey, mon Serge là, tu l'as fait tomber. Va la libérer. Va la libérer. Va la libérer. Va partir. C'est un homme. Ce corps ne t'appartient plus. Au nom de Jésus. Hey! Tu vas la libérer. C'est un homme. Elle est belle, non? Vous parlez plus, les hommes parlent plus. Mais les hommes, mais les... Vous avez vu? Vous avez vu? Répondez. Oui. Tu vas la libérer. C'est un homme. C'est un homme. Actif, c'est bon. C'est bon. On met ça, on bloque, on bloque. On bloque là, c'est bon. Lâche-la! Allez! Non, non, vous n'avez pas peur, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous! Asseyez-vous! Ça va créer du désordre. Non, laissez-les, asseyez-vous. Laissez-les s'asseoir. On va les maîtriser, ça va créer du désordre. Asseyez-vous.
On va l'empêcher d'arriver vers vous, d'accord? Voilà, asseyez-vous et soyez libre d'écouter la parole. Quoi? Lâche-la. Lâche-la. Qui es-tu? Qui es-tu? J'espère que vous avez mangé à midi pour venir. Ah. Qui es-tu? 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 Voilà libéré. Qui es-tu? Si tu vas parler. Si tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Qui es-tu? Tu vas la libérer. Qui es-tu? J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Oh Seigneur, j'ai mal au bras. Oh, j'ai mal au bras. Aujourd'hui, Jésus t'accorde ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la. Démon, va. Va-t'en. 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 Le pacte est brisé. Toute forme d'alliance brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Quitte son dos, quitte son dos. Je te vois localisé dans son dos. Toi, le reptile, c'est comme un serpent. Sors. Va-t'en. Va. Va. Allez, quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. C'est un homme. Va-t'en. Allez. Vous avez tous compris. Allez vous asseoir, les sœurs. Asseyez-vous. Vous avez compris l'important d'être délivré. Vous avez compris l'important de se faire délivrer. Son conjoint, sa conjointe, de recevoir la délivrance. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tant que vous n'expérimentez pas la plénitude de la puissance de Dieu, le diable va s'accaparer de votre famille. Vous verrez des choses bizarres arriver. C'est cela qu'il faut que vous soyez remplis de la puissance de Dieu et que vous ayez l'autorité sur les démons. Les démons, je ne viens pas pour s'amuser. C'est les démolisseurs. Quand ils vous attaquent, ils vous détruisent. Lâche-la. Lâche-la. Aujourd'hui est ta fin.
C'est parfum. C'est la fin de ton règne. Tu quitteras sa vie définitivement dans le nom de Jésus. Tu quitteras sa vie définitivement dans le nom de Jésus. Tu quitteras sa vie définitivement dans le nom de Jésus. 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 Achat. Tu quitteras sa vie définitivement dans le nom de Jésus. Tu quitteras sa vie définitivement dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ah, l'achat. 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 Ton règne prend fin aujourd'hui. La fin de ton règne. Dans le nom de Jésus. C'est la fin de ton règne. Tu m'entends? C'est la fin de ton règne dans ce corps. La fin de ton règne. Dans le nom de Jésus. Si tu parles dans le nom de Jésus, tu parles maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Lâche-la. 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 Voilà, lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Voilà, va. Elle est libérée dans le nom de Jésus. Viens, va-t'en. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Tu n'as plus de force. Ça veut dire qu'il y a une connexion. Il y a quelque chose là. Hmm? Il va partir définitivement. Lâcher sa vie. Dans le bail. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne dans sa vie. Libère son ventre par la puissance supérieure dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus te libère. Jésus te libère. Tu m'entends? Jésus te libère maintenant. Les démons partent, ils quittent ta vie, ils libèrent ton ventre maintenant, ils te libèrent maintenant même. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Vous voyez comment le diable terrorise des gens, comment le diable est victime d'un esprit. Malgré sa beauté, elle est contrôlée par un démon. Et le démon fait que toute fois qu'il y a quelqu'un dans sa vie, le démon chasse
de chasse. C'est pour cela que spirituellement parlant, si tu n'es pas délivré, il y a des bénédictions que tu ne peux pas citer. La priorité dans le christianisme, c'est la délivrance. D'abord, mettez l'accent là-dessus. Est-ce que je suis délivré? Sinon, faites-vous délivrer. Tu ne peux pas être dans le Seigneur, faire encore des cauchemars, avoir des choses dans les rêves. On te poursuit, les cabines te poursuivent, les chats te poursuivent, les trucs te poursuivent. Non, ce n'est pas possible. Les chats répétés, ce n'est pas possible. Libère. Jésus dit à Pierre, d'abord Simon, il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé. On réclame quelqu'un? C'est qui on a une autorité. Il a dit, Simon, Satan t'a réclamé. Répondez, Satan t'a réclamé. C'est comme ça, pendant qu'on prie, l'esprit réclame. Parce qu'il y a une question d'autorité, il y a quelque chose d'une alliance qui est tissée entre elles. Et quand c'est comme ça, ça met du temps. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit ne dira pas. Il met du temps. Parce qu'il s'est dit que c'est sa chose. Et tu peux rencontrer un homme comme ça. Tu as déjà un problème d'esprit. Tu ne sais pas, tu le vois, il est beau garçon, bien. Il répond à tous tes critères. Mais est-ce que tu as vu le statut spirituel, ton identité? Non. Vous commencez vos relations et puis un matin, toi-même tu commences à voir des choses bizarres dans le rêve. Il y a des avertissements déjà dans le rêve, on t'alerte déjà pour dire attention. Mais quand tu te lèves, tu as des douleurs bizarres, tu commences à avoir des vies bizarres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est pour ça qu'il fait très attention. On dit faites attention parce que le diable rôde comme un lion rugissant autour de nous. Il sait qui va te dévorer. Est-ce qu'on va bien saisir? Jésus te libère. Jésus te délivre. Je t'assure qu'aujourd'hui est la fin des démons mentaux. Le diable te libère. Aujourd'hui, le diable te libère aujourd'hui. Ça va ma fille? Je sens que Dieu va te libérer, d'accord? Hein? Hein? Libérez-la maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame sa délivrance maintenant. Vous pouvez avoir l'autorité sur les démons. Ce n'est pas une question de prophète Trasso, c'est une question de est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Est-ce qu'il est à moi? Tu m'as saisi? Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable joue avec ta famille. Il va toucher à tes enfants, il va toucher à ta femme, il va toucher à toute ta famille. Il va jouer ça. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra pour lui, rien. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Il va arriver là-bas, on va achever la délivrance de l'autre côté, on arrivera de l'autre côté. On laisse nous conduire en matière de délivrance. Tu vas, voilà, vous avez.
vous levez son dos, vous levez tout ça. Partez, maintenant. Lâchez son âme, je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance, je proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Libère-le. Jésus te libère. Je chasse la présence des ténèbres. Jésus, je vous avais déjà averti qu'aujourd'hui ça sera chaud, diamant. Amen. Saint-Esprit, au ton rendez-vous. Allez! 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 Jésus te libère. Jésus te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te touche maintenant, mon Jésus de Nazareth, mort, ressuscité qu'il est, il te délivre maintenant, lâche-le. Je vois ton âme depuis ton village, je vois ton âme qui est en train de sortir de la tombe. Jésus-Christ est en train de te libérer maintenant. Lâchez-le au nom de Jésus. Lâchez-le maintenant même. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant ta délivrance. Reçois. Tu es libéré au nom de Jésus. Levez-le. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu vas libérer son âme, tu vas libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le temps, c'est le jour de sa délivrance. Tu quittes sa vie? Tu m'attends? Colle! Lâche-la. Libère-la au nom de Jésus. Nazareth, la libère. C'est un âme. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche. Voilà, pardon. Libère sa vie. Libère sa bénédiction maritale. Libère ses finances. Libère toute sa destinée par la puissance qui est en le nom de Jésus. Lâche-la. Tu pars maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu libères sa vie. Par la puissance qui est lâche, libère, c'est un homme. Tu vas la libérer. Comme La puissance de Jésus.
crois à ton miracle. Lève-toi la béquille, lève-toi la béquille. Non, lève pas d'abord avec la béquille. Tu crois à ton miracle? Hein? Je crois. Tu crois que Jésus va te guérir? Oui, je crois. Tu crois à sa guérison? Je n'ai pas entendu le oui, j'ai remis la tête. Tu crois à sa guérison depuis lors? Non, j'ai dit maintenant, c'est pas oui. Depuis lors. Oui. Et vous-même, vous croyez? Oui. J'étais votre béquille. Allez jusqu'à la chair là-bas. Dépêchez-vous. Allez-y jusqu'à la chaîne. Complètement bloqué. En deux combats bloqués. Ouais, les muscles marchent, ouais, les seins soulagement. Répare tous les liens d'avant. Son âme, tu vas la libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas libérer totalement sa vie. Maintenant, tu vas la libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Tu vas libérer son âme. Tu vas libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance maintenant. Lâchez. Son âme, de libérer son esprit, de libérer toute sa vie, de libérer son âme, son esprit, de toute sa vie, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Proclame ce soir ta libération. Proclame ce soir ta libération, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus te libère. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie maintenant même. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Jésus sur ta vie. Reçois. Je chasse les démons. Lâche. Chez toi? Ça va maintenant? Ça va, c'est quand quelque
quelque chose rentre, il y a un souci, mais quand quelque chose sort, c'est une délivrance. Hein? D'accord. Et ton fiancé? Saint-Esprit qui te libère maintenant, reçois la gloire de Dieu, reçois. Allez! Il était calme, il n'a pas été agité. Pas normalement. Il a été sérieux avec toi. C'est la première fois? Non, c'est la première fois qu'il fait ça depuis qu'il est ici. C'est la première fois qu'il se comporte comme ça avec toi? Non, c'est pas ça. Non, depuis qu'il est venu ici, puisque le dimanche passé, il t'a tapé. D'accord. Donc, la dernière fois, la rencontre avec nous, quand il est parti, est-ce qu'il t'a retapé? Non. Il était beaucoup gentil. Il a vomi. Il a vomi. Ça va? Qu'est-ce que tu as senti après notre rencontre? Un dégoût de fumée. Même si, un dégoût de fumée. Même si une heure après, quand même. C'était dur à la finir quand même. Mais j'ai quand même, comme je suis têtu, j'ai pas voulu laisser tout de suite. Mais tu as senti un dégoût? Ah, dégoût, oui. C'est la première fois que ça t'arrive? Oui. De sentir un dégoût de prendre le truc là? Je ne me rappelais plus si c'était. C'était la cigarette, oui, que j'avais fumé. Tu as senti le dégoût? Ah, dégoût. Après que tu as touché lui, donc c'est ça? Oui. Ah. Tu as dit ça? Oui. Il n'a pas beaucoup.
là? Non, je me suis, j'ai transpiré. Moi, je crois à ta délivrance. Un esprit de mort. Esprit de mort. Lâche-le! 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Allez! Lâche-le! Lâche-le! Vous avez bien fait d'envoyer le petit ici. Voilà, sinon il était déjà parti dans le monde d'octobre. C'est fini ça. Esprit de mort. Voilà, esprit de mort, tu vas le libérer, c'est un homme. Tu vas le libérer maintenant, tu vas le libérer par la puissance, tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le! Je t'entends de le libérer et maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Va-t'en! Va et tu le libères au nom de Jésus. Va-t'en. Libère maintenant sa vie au nom de Jésus. Va-t'en. Allez. Dégage. Tu le libères au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le maintenant même au nom de Jésus. Tu le libères maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libère-le. Libère-le. Allez, va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Va. Voilà, va. Va, va, va. Va au nom de Jésus. Va-t'en. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Change sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant même. Tu le libères maintenant même. Tu le libères maintenant même dans le nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Lâche-le, 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 voilà, va-t'en. Pendant que vous le voyez physiquement, spirituellement, on l'avait déjà capturé et on avait déjà fini avec lui. Et donc, l'esprit en train de se manifester, l'esprit des morts se manifeste maintenant. Quand l'esprit sera chassé, tout sera normal sur le plan, tout deviendra normal sur le plan spirituel. C'est comme ça. Généralement, on voit souvent les cadavres, c'est-à-dire les cadavres ambulants. Il y a des gens qui sont spirituellement morts. Parce que spirituellement, on les a détruits. Et comme c'est une question de programmation, vous voyez, petite chose, vous allez dormir, il part, c'est fini, il s'élève plus, il est parti. Hop, la chute est déjà consommée. C'est une programmation de mort. On l'avait déjà détruit spirituellement, la pompérie l'avait déjà détruit. Il fallait maintenant une question de temps. Elle pleure pourquoi? C'est ton fils? Maman, attendez, prier, pourquoi tu pleures? Réjouis-toi que de pleurer. Il n'y a pas de foi en ce que tu fais. Tu n'as pas la foi. Je pense qu'on
on a donné gloire à Dieu que de pleurer, de pénicher. Excuse-moi. Ce qu'on dit là, ça ne c'est pas une parole qui doit t'alarmer. On dit l'envoyer sa parole pour le guérir. Dieu n'envoie pas de parole pour t'attister. Il t'envoie une parole pour guérir. Ce n'est pas une question de grâce. Le Dieu est en train de le guérir. Toi, tu ne savais pas. Oui, mais pourquoi pleurer? Je suis là. Nous les bêtés là, t'es bêté, non? Bêté de vous, ça. Non, on aime trop. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? C'est fini là. Ça supplie beaucoup de gens dans ton quartier. Ils ne te voient plus à la carte. J'ai guéri cette vie. Lâchez! Pour ça, tu fais ta passion, mais ça ne veut même pas qui est programmé là-bas, que tu veux faire par là. Hein? Ta femme te provoque, hein? Hein, c'est moi qui vas prendre ça, hein, tu la tapes. On sortit à bien manger, avec une bonne sauce là. Et la qualité. Et problème, on te donne problème. C'est pour ça que quand il te provoque, dis rien, pour partir. Ce qui le pousse à faire, tu ne sais pas. Dis rien, va, pour ne pas te donner un problème. M'a bien saisi. Devenez spirituel. Si vous devenez, vous êtes spirituel, vous allez éviter beaucoup de choses. Parce que dans le langage de la provocation, dans ce qui se passe, il peut y avoir une manifestation des démons. Amen. C'est ça le discernement. Quand quelqu'un est mûr, mature spirituellement, il discerne déjà la chose. J'ai dit non, je n'engage pas parce que l'esprit ne peut pas, l'esprit saint ne peut pas faire ça. Ça, c'est un mauvais esprit. Amen. Or, si l'esprit ne provoque, c'est qu'il y a quelque chose qui lui appelle comme objectif. Je ne rentre pas dans son jeu. Amen. Vous comprenez? Lâche-le. C'est ça que vous devez assister au sein de délivrance. Une église qui ne pratique pas la délivrance, une église qui ne met pas l'accent sur la délivrance, c'est difficile. C'est difficile d'accéder à des grâces et à des bénédictions. C'est difficile. Tu peux dans une église, écoutez, le plus beau message, ok, et mais tu peux être enchaîné par les démons. C'est le meilleur pasteur avec une bonne prédication, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es délivré? Ok, quand tu es délivré, tu peux bien mettre la parole de Dieu en pratique. Donc ne négligez pas l'aspect délivrance dans une église. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut délivrer les fidèles qui viennent. Parce qu'ils reviennent avec les esprits. Ils viennent avec les esprits. Il faut avoir des séances de délivrance dans les églises. Ne dites pas aux gens d'aller faire l'autodélivrance, ce n'est pas possible, frère. Ah, tu peux toi-même te délivrer. Non, l'apôtre Paul a été délivré par Ananias. Dieu le foudroie sur la route de Damas et Dieu lui dit, va dans la ville de Damas. Et Dieu ordonne à son serviteur, va prier pour Paul. Or, Paul avait un souci. Il dit, mais non, Seigneur, si c'est ce monsieur-là, c'est un brigand. Il dit, laisse faire, va. Et c'est quand Ananias a prié pour lui que les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous délivrer. Amen. Quand Lazare sortit du tombeau, Jésus dit, déliez-le. La part de Christ, c'est de vous amener à la lumière, de vous donner le salut. Nous, en tant que les hommes de Dieu, notre part, c'est de vous délivrer. Amen. Il dit, déliez-le, laissez-le aller. Et quand vous n'êtes pas délivré, il sera difficile. Parce qu'après l'église, il y a des réalités. Tu es toujours confronté à une réalité qui en face de toi. Le problème financier se pose à toi. Le problème marital s'oppose à toi. Les difficultés, les gens avancent.
des années passent et toi tu marches comme un rayon. Toujours, c'est comme la route, rien ne te réussit dans la vie. C'est comme tu es enfermé dans un enclos, dans une prison. Effectivement, quand quelqu'un n'est pas délivré, il est dans une prison spirituelle, privé de beaucoup de grâce. Dieu dit, mais tu ne vois pas. On peut avoir toute la révélation, pas parce que c'est faux, mais tu ne peux pas accéder parce que tu n'as pas été délivré. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a quelque chose, dit Seigneur, délivre-moi. Et après la délivrance, conservez cette délivrance-là. D'accord? C'est non. De par votre manière, arrangez votre vie. À commencer à arranger, mettre de l'ordre dans certaines choses concernant. Parce que si tu viens compris pour toi, et que tu ne vis pas sans la présence de Dieu, et que tu penses qu'on t'a délivré, et que tu ne pries plus, et que tu ne médites plus la parole de Dieu, ils vont revenir les démons. Et cette fois encore, ah, il avait prié pour moi, je n'ai rien vu. Mais c'est parce que tu n'as pas conservé cette délivrance. Or, c'est quand tu commences, après ta délivrance, que le diable commence à t'attaquer. N'est-ce pas? Il commence à t'attaquer, t'envoie des esprits. Des esprits que tu ne peux même pas résister. Le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein? Si c'était Fanta, devant Fanta, tu peux tomber, il va te l'envoyer. Fanta vient te dire, ben, lui, Jésus disparaît de ton âme. Or, la Bible dit que résister au diable, il s'enfuira loin. Il faut le résister. C'est pour ça que je vous demande, je demande à chacun d'entre nous de se plonger dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, la foi vient de ça. C'est pour ça que je demande à toute l'église de commencer à lire des Actes des Apôtres. C'est dans ça que nous sommes en train de méditer dans cet temps-ci. Lisons tout le livre des Actes des Apôtres. Après le baptême de Saint-Esprit, les actes que les apôtres ont prononcés. Nous verrons ça tout à l'heure parce que nous allons poursuivre. Je suis prophète, hein? Selon l'explication de Dieu, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, chaque jour vous ne faites pas de ça une priorité, vous ne mettez pas l'accent sur la prière et que vous attendez qu'on prie chaque jour pour vous, vous n'allez jamais grandir dans la foi. Jamais vous allez grandir dans la foi. C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un. Dans un combat, on a toujours besoin d'un allié fort. Comme Hur et Aaron sont venus soutenir les mains de Moïse. Mais et alors et après, il y a une continuité. La vie chrétienne, c'est une continuité, c'est demain. Il faut la vivre selon la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Vous m'avez saisi? Si nous marchons selon la parole de Dieu, Dieu sera dans l'obligation de nous obéir. C'est une obligation pour nous. Ils se sont obligés de nous obéir. Si nous détenons de cette parole, lui aussi c'est autour de nous. On m'a bien écouté? Amen. 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 Ça va? Amen. Lâche-le. Est-ce que vous savez que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a certaines maladies qui ne peuvent plus rentrer dans votre famille? Amen. Parce que la plupart des maladies viennent des esprits. Quand vous êtes rempli de la puissance de Dieu, vous rayonnez, ça dit quelque chose se dégage de vous. Après que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit, on dit son corps même guérissait les malades. L'apôtre Paul, sa sueur suffisait. Pierre, sa prière suffisait pour guérir les malades. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qui fuient. Qui fuient. Très loin. Dès que vous êtes quelque part, l'autorité de Christ s'impose. L'Esprit voit que vous êtes bien différence. Il sait qu'il y a quelque chose dans le monde. C'est ça que la Bible dit. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Oui. Ce n'est pas une question de prophète Crasso. Non. C'est une question de est-ce que tu l'as dans ta vie. Si oui, frère, tu as l'autorité sur la sanctuaire. Amen. Un prophète viendra prier pour toi. Il n'est pas Jésus de Nazareth. Encore, pas Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Moi, je viens de me convertir en 1994, c'est-à-dire que Jésus-Christ comme son père, le Seigneur personnel. J'étais païen comme toi. J'étais très loin de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fallu qu'il se révèle à moi pour que je l'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. On a tous un jour levé les mains pour l'accepter. Je l'acceptais comme toi. La différence, c'est qu'il a fait de moi son serviteur, à grâce. Pas parce que je voulais, parce que lui, il voulait que je sois son serviteur. Sans moi, il reste Jésus. Sans moi, il reste Jésus de Nazareth. Et moi, je suis dans l'obligation de veiller sur ma vie. Et si je ne veille pas sur ma vie, ce que je ne souhaite pas,
je serai un jour rejeté. Mais je sais ce qui est dans ma tête, après avoir prié pour les gens, je dois veiller sur ma vie. Amen. Parce Amen. Que je suis chrétien comme toi. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas les gens dire, ah non, au nom de le feu de Crasso. Attends, arrête. N'importe quoi, c'est pas le feu de Crasso. Le Crasso n'a pas de feu. Mais tu crois au nom de, au Dieu qui croit que le prophète Crasso. Je ne veux même pas que mon nom soit cité dans ce que vous dites. Amen. Ça devient de l'idolâtrie, c'est dangereux. Amen. Je vous montre le chemin de Dieu. Il est là, c'est lui que nous tous nous suivons. Amen. Toi et moi, nous le suivons. Il dit à mon nom, d'autres diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai posé les mains aux malades, il dit, je ne t'ai pas connu. Et ça, c'est pour nous les serviteurs de Dieu. Faites attention, l'onction souvent c'est des pièges. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on se mette dans un genou devant moi, ce n'est pas possible. Je parle à tous ceux qui aspirent à l'onction. À un moment donné, de la dimension de l'esprit de Dieu, vous allez voir que les gens vont commencer à vous prendre comme une idole. Évitez ça. Au moment où les Jésus-Christ, les gens cherchaient à l'adorer, fuyaient. Parce que la gloire doit revenir à Dieu. Soyez humble. Et vous-même pensez à vous-même. Parce que chacun d'entre nous sera un jour face à face devant Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis, moi j'ai pris une main au genou. Je lui demande, s'il te plaît, aide-moi. Arrive au bout. C'est la fin qui compte. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah oui, c'est la fin. Hein? C'est pour ça que même si un frère a des difficultés, je prie pour lui, pour que demain, si je suis dans les difficultés, Dieu peut susciter quelqu'un pour prier pour moi. Amen. Ne vous montrez pas des frères qui sont en difficulté, c'est ça. Le lui qui est plus fort, qui soutient le plus faible. Amen. C'est ça la vie chrétienne, frère. On ne sait jamais. S'il vous plaît, cette église, ce n'est pas une question d'église de Crasso. C'est une église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Évitez de prononcer mon nom dans vos prières. Évitez ça. Mon nom ne peut pas chasser un démon, c'est pas possible que mon nom chasse un démon. Amen. Ce n'est même pas possible, n'est pas possible. Amen. Sinon, les démons, ils savent qui je suis. Les Crasso, il y en a. Mais le prophète Crasso, Joro, Jouette, Charlotte, c'est moi. Chrétien d'abord, et après, selon Dieu, selon ce que Dieu veut, je suis devenu son serviteur. Amen. Amen. Voilà, donc je veille sur ma vie chrétienne. C'est pour ça que vous devez veiller sur vos vies chrétiennes. Amen. Veillez si votre vie chrétienne. Tiens, quelqu'un, veille sur ta vie chrétienne. Amen. Oh, mon Dieu, on ne parle pas fort, les gars. Veille sur ta vie chrétienne. Amen. C'est tout. Comment toi, tu peux être dans une maison, puis le gars, le diable vient, tu es brigand. Pourquoi? Mais non. Dieu est là. Aucun démon ne peut te terroriser. Amen. Amen. Moi, j'ai eu les attaques les plus terribles de la planète Terre. Je suis toujours resté serein. Parce que si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Amen. Personne ne pourra t'écraser. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils n'étaient jamais. Jamais et jamais. Amen. Et Dieu dit, quand je suis avec toi, pour te délivrer. Il est avec toi, mais tu vas avoir des attaques. Amen. Les attaques viendront, mais ils ne pourront rien. Amen. Les gens ont peur qu'ils soient attaqués. Non. Mais les attaques viennent. Vous savez, j'ai fini par comprendre en ces deux derniers temps, si vous voulez devenir grand, vous serez confronté à des grands combats. Amen. Vous voyez aujourd'hui l'Allemagne est devenue un puissant pays après la guerre. Amen. Plus Dieu décide de te bénir, tes combats seront terribles. Amen. Les puissantes nations au monde se sont en train de traverser des grandes guerres. Est-ce qu'on a bien saisi? Pas parce qu'on te combat. Non, Dieu permet ça pour que quelque chose se passe en toi. Amen. Il y a des situations qui te réveillent. Amen. Parce que tu es endormi spirituellement par là. Amen. Ça te réveille. Hein? Alors c'est ce qui se passe. Souvent le diable de passage nous rend des grands services. Amen. Hein? Parce que quand le diable commence à attaquer, on dit, hey, Jésus est là, Jésus est à l'église. Sinon avant, c'était Bélier, Jacques Daniel. On sortait, on trompait, on faisait ça. Mais là, attaque, on dit, je me sanctifie. Où est ma Bible? Tu as caché ta Bible là-bas. Là. C'est là que tu as su. Ma Bible, Seigneur, Seigneur, je me confesse, je me confesse, je me confesse. C'est bon, ça t'aide. Il nous rend des services. Hein. Lui, c'est pas. Hein. Mais il nous rend des services. Amen. 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 Plus on t'attaque, plus c'est bien fort. Lui, ce qui ne tue pas, renfort. Amen. Amen. Amen.
j'ai fini par accepter beaucoup d'attaques. On m'attaque ça et là, oh, je suis fort. Parce que je sais où je m'en vais. Moi, on m'appelle pour dire, on va te tuer, on va te détruire. On va faire tout pour te détruire. Parce que ce qu'on m'a dit, on te... Mais moi, je suis là. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas venu dans l'espoir de Dieu. Je suis là par vocation. Ce qui est arrivé à Jésus arrivera à tous ces serviteurs de Dieu. Jésus est mort. Ils sont allés acheter les gens pour dire. Dites qu'ils sont venus le rabbi la nuit. Qui n'est pas mort. Et cette information m'en prie Israël. Acceptez le combat. Amen. Amen. Mais dans le combat, ayez la foi et attachez-vous à Dieu. Amen. David a regardé Goliath. Pendant que les gens Goliath menaçaient l'armée de Dieu, il dit, mais toi, quel est cet circoncis? Pourquoi? Il a dit à Goliath, il dit, mais pourquoi vous avez ce bout d'homme-là? Il a dit les injures de Goliath. Il a dit, ce bout d'homme, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pitié de cet enfant? Et David s'adresse à Goliath pour dire, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Dis Amen. Amen. Pas une question de faire la guerre, c'est qui va gagner? Dieu. Ah, oui, les gens, ils pensent, l'ennemi va t'attaquer, il fera tout. Mais c'est la fin qui est importante. Or, Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de faire. Amen. Permets à Dieu d'être avec toi dans ce que tu fais. Si Dieu n'est pas là, c'est des dégâts. Et Dieu donne la victoire à David et Goliath. C'est ça. Je crois que tu remporteras cette victoire. Amen. 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 Le diable fait poser un combat. L'Éternel sera avec toi pour remporter la victoire. Amen. Toute arme forgée contre toi. Pourquoi vous avez peur des armes? On est forgé contre toi. Ils vont venir tirer, mais ça ne va pas marcher. N'oubliez pas qu'ils tireront. Ils viendront avec les armes contre toi. Toutes sortes d'armes contre toi. Mais la vie sera sans. C'est pour ça que par moment, quand vous levez ma tête, déprogrammez toute la programmation du diable. La stratégie que le diable arrive à vous avoir, c'est que le matin, vous ne déprogrammez pas le système que le diable programme contre vous. Parce que la vie, c'est une question de programmation. Et là, j'ai parlé de ça. C'est une programmation de mort. Vous comprenez? Une fois on déprogramme, c'est fini. Il n'y a plus de mort, c'est fini. Il va se repositionner de la vie, c'est fini. Ça va? Comment t'appelles? Yacouba. Hein? Yacouba. Hein? Qu'est-ce que tu sens? Je suis délivré. Amen. Qu'on proclame Jésus de Nazareth. Ayons le Saint-Esprit en nous. Une fois le diable commence à graisser nos enfants, nous l'attaquons. Amen. Amen. David dit, attaque ceux qui m'attaquent, frère. Si vous n'avez pas l'autorité, le diable va vous terroriser. Amen. Et vous allez courir ça et là en train de pleurer. Amen. Amen. C'est ça que c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. La dernière fois, on a parlé d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, on a dit, Jésus dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Quand on est rempli du Saint-Esprit de Jésus, on est témoin. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le premier grand signe qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu, qu'il n'y a plus un démon en toi, il te donne cette assurance que tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il te convainc que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas ça en toi, c'est un problème. On a bien compris? Malgré les difficultés, tu as l'assurance, tu te dis, tu as le Saint-Esprit, l'Esprit, c'est là, ok? Et encore, il te donne la paix du cœur. Malgré les difficultés, malgré tout ce que les gens te entourent, malgré tous les bruits, tu as la paix, cette paix intérieure en toi. Il détruit toute forme. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il a chaud d'humeur. Tu le vois aujourd'hui, il est bien. Le lendemain, la semaine prochaine, il est autre chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présence de l'Esprit de Dieu en lui. Amen.
Amen. Amen. Toute information qui arrivait à Jésus-Christ, il ne paniquait jamais. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu apportes une information bizarre, ça ne te doit pas paniquer. Parce que tu comptes sur Dieu. Amen. Il a déjà la solution. Quel problème que tu ne peux résoudre? Il est spécialiste des cas impossibles. Pourquoi avoir peur qu'on a une information? De Jésus. Ça dépend de ta foi. Vous savez, les gens, la science vous annonce une information bizarre parce qu'il est incapable. Ils vont te dire, mais on est capable, monsieur. Et puis, dans tout le sérieux, c'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils déstabilisent ta foi. Amen. Pour te dire, vous savez, venez vous donner un résultat, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais c'est sérieux. Déjà, tu commences à tourner. Ils préparent déjà, c'est les psychologues, ils préparent déjà ton esprit. Amen. Tout ce que tu ne permettras pas sur cette terre ne sera pas permis dans les cieux. Dis amen. Amen. Ça, c'est lui qui a dit, mais je ne permets pas ça, j'accepte pas. C'est ça la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi, il voit l'obscurité. Et puis, pendant qu'il l'obscurité, là, il voit la lumière. Amen. La foi, c'est futuriste, ça voit demain, ça ne voit pas maintenant. Amen. Il faut que votre foi soit ferme. Amen. Amen. Elle ne doit pas vaciller. Peu importe le résultat, tu peux changer ça. Je vous ai donné un témoignage. Je rentre dans une clinique, on me dit non, ta tension est montée jusqu'à 25, 28. Je regarde le médecin. Il me dit, asseyez-vous, hein, parce que je ne comprends pas. Je dis, je ne m'en sors pas. Il veut me troubler. Il dit, mais regardez. Je dis, c'est pas moi. Il dit, mais regarde. Il change de tension, mais il peut 28. Il dit, vous parlez de qui? Il dit, asseyez-vous. Vous n'avez pas eu de vertige. Il dit, je n'ai même pas de vertige. Il me fait asseoir. Je lui dis, ce que tu es en train de faire, le résultat là, c'est même pas moi. Il dit, mais c'est l'appareil. Il dit, je m'en fous de l'appareil. Oh, il veut me faire avaler ça. Et une fois qu'il me fait avaler, les choses changent. J'accepte. Parce que la parole est une semence. Dès qu'il accepte la chose. Et ma foi rejette. Ma foi rejette. Il refait, il est tombé que c'est venu à 12. Mais regarde. J'ai dit, va chercher. Si tu veux à la pharmacie, va chercher. Sorti. Mon chauffeur me regarde, mais lui là, est-ce qu'il sait ce qu'il y a en moi? Il va venir, il a accepté ces conneries là. C'est moi qui t'ai donné la chance. Il y a petit migraine, je vais faire. Toi qui me dis c'est 28. N'importe quoi, allez, qui dit maman? C'est ça la foi. On ne peut pas te comprendre si tu as la foi. On ne comprend pas les hommes de la foi. On ne peut pas les comprendre. La femme tsunamite, elle avait un enfant mort. Elle regarde, non. Il sera ressuscité. On vous annonce ces informations. Vous êtes incapable de manifester votre foi. Vous pleurez devant une situation. Et Jésus. Et Jésus. Peu importe l'information que vous recevez, gardez votre foi. Amen. Gardez votre sérénité. Gardez ça, votre sérénité. Jamais exaucer vos cœurs, c'est pas vos larmes que Dieu regarde. Dieu regarde votre foi. Si vous avez encore confiance en lui, malgré le résultat, est-ce que vous pensez qu'il lui a encore fait quelque chose? Si oui, il change d'abondance. Vous connaissez l'océan? L'océan, la mer. Devant la mer, le peuple a murmuré, Moïse dit, gardez le silence, ça va se fendre. Le prodige, il n'avait jamais vu ce genre de miracle, ce genre de prodige. Mais Dieu a fendu l'océan devant Israël. Amen. Amen. Quel miracle dont Dieu n'est pas capable? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu penses que ça t'est écrasé? Pourquoi tu te vérifies et tu réfléchis à ton lendemain? Il dit, ne vous inquiétez pas, le lendemain, ça aura soin de lui-même. Nous sommes devant, et Jésus est devant, nous le suivons. Peu importe ce qui se passe maintenant, demain sera meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Si nous savons seulement qu'il nous conduit. Quand vous attaquez ça et là, il faut que ça vous dise. Vous pensez que les attaques, vous pouvez dire que Dieu vous a lâché? Non. Israël a vécu pas mal de choses dans le désert. Amen. Tous ceux qui ont murmuré, qui n'ont pas eu la foi sont morts. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas rentrer dans votre destin, vous allez tous mourir. Deux personnes de l'ancienne génération, Jésus et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. Pour rentrer en Canaan, il y a des attaques, Amen. Il y a des embûches. Amen. Si tu manques de foi, tu vas mourir. Amen.
faut pas avoir peur. Or ici, ils vont te dire, ils vont te rentrer dans la science, tu sais, va faire de la prière des sangs, tu sais, la science, laisse ça faire des religions. Ils vont te dire, non, mais reste, laisse ça faire des prières, ils ne croient pas en ça d'ailleurs. Mais la seule chose que Dieu exauce, c'est la prière pleine de foi. Il dit, la foi fervente du juste est une grande efficacité. Élie a fermé la pluie. Il a fermé le ciel. Tu peux faire. Et nous sommes de la même nature qu'Élie. Tu peux faire. Ce n'est pas une question de prophète Crasso. Dieu peut changer la tendance. Si on t'adresse une lettre, crois que Dieu te maintient encore dans le travail. Si tu crois, il va te maintenir dans le travail. Et la même décret, si Israël, au temps de la reine Esther, c'était d'exterminer tout le peuple juif. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Dieu a changé toute la tendance. Il est encore lui-même. Pourquoi tu pleniches? Dieu s'en fout de ton âge. Je suis en train de mon âge. Qu'est-ce que tu as dit? Mon âge. Un an, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans, c'est comme 1 an devant Dieu. Amen. Moi, je suis devant sa famille. Je crois toujours en toi. Tant que j'aurai le sou de vie, je ne désespère pas. Amen. Malgré les calomnies, malgré les attaques, j'espère toujours en toi. Amen. Parce que je sais ce que tu m'as dit. Dieu t'a dit, ça ne veut pas dire qu'on va t'attaquer. Dieu t'a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des choses. Et la mort, mais qui donnera le dessus sur tout ça. Amen. C'est pour ça que dans la vie, marchez avec ceux qui croient en vous. Parce que si quelqu'un ne croit pas en vous, il ne peut pas vous suivre. Oui. Non. Marchez avec les gens qui croient en vous. Qui pensent que ça va aller. Qui te motivent. Évitez ceux qui ne vous motivent jamais. Qui sont des peureux. C'est pour ça qu'il faut affronter, n'est-ce pas? Et à Amalek, les mendiants, Dieu va dire à Gédéon, sélectionne les gens. Il y a eu 300 personnes. 300. Les plus faibles, il les a retirés du groupe. La plupart du temps qu'on combat, frère, les balles, vous voyez, dans le combat, ça prend les plus faibles. Et quand on combat, il y a d'autres qui font le coup. Les plus forts arrivent jusqu'au bout. Marchez à les gens qui peuvent vous motiver. Écoutez, ne marchez jamais les gens qui ne croient pas en vous et qui rencontrent des choses pour vous déstabiliser. Non! La vie, c'est des mecs qui sont contents. Ça ira. Le monsieur qui devait avoir des problèmes, elle a encaissé le coup, mais elle s'en sortira, d'accord? C'est un physique spirituel, mais elle s'en sortira. Elle est sur le séchoir, mais elle s'en sortira. Amen. Parce qu'il a maintenant dit son dernier mot. Amen. Elle sortira du monde. Amen. D'accord? Ça va? Ça peut aller? Amen. Qui croit encore à son lendemain? Qui croit? Moi, je crois. Amen. Amen. Nous sommes faibles, nous avons besoin d'un Dieu fort. Et devant nous, il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Amen. Amen. Vous savez, les gens, peut-être, ne croient pas en toi. Il faut croire en toi d'abord. Si tu n'as pas foi en ta personne, tu n'as pas foi en ça, tu donnes raison à tes ennemis. Parce que c'est les mêmes qui diront demain. Nous-mêmes là, on ne croyait pas, hein. Mais tu as réussi quand même. Dis amen, dis ton, tu dis ça. On a tout fait, mais non, toi là, et bien, aimez voir dans ton témoignage. C'est-à-dire tes ennemis même, ils rendront ton témoignage. Mais vous, moi j'ai fini par comprendre dans ces deux derniers temps, je ne m'occupe pas des coloris. Je vois des attaques de gens comme des coulouris. Je mets mon énergie dans ce que je dois faire et ce que j'ai à faire. C'est ça le problème. C'est ce qui va payer demain. Les provocations, ça ne m'intéresse plus. Ce qu'on dit ne m'intéresse plus. C'est ce que je fais. Pour Dieu, c'est ça qui m'intéresse. On va bien saisir. Il te faut le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un qu'il te faut le Saint-Esprit. On a prié la dernière fois, on demandait
On dit que le Saint-Esprit, quand il est dans la vie de quelqu'un, ça garde une, tu gardes une sérénité, la paix. C'est toute la paix du cœur. Malgré l'adversité, tu as la paix du cœur. Quel que soit ce que tu entends, ça ne te dit rien. Parce que lui, il te donne, on dit, il te donne l'expérience de l'avenir. Il t'amène à espérer. Et quand le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ta vie, une église remplie, où les gens sont remplis du Saint-Esprit, les gens sont bouillonnants, réveillés. Amen. Quelque chose se réveille en toi. Tu as toujours envie de prier la puissance de Dieu. Nous allons écouter un passage. Je dis merci. Guédé, viens. C'est toi, Guédé. Celui qui est derrière la zapette, Zadi. Et voici mon Guédé. Guédé, ça va? C'est lui qui a offert ça. La femme du Seigneur. Merci. Précise, c'est lui qui a fabriqué. Merci pour la précision. Vraiment, que dans tes derniers, c'est-à-dire que Dieu te bénisse, que tu fortifies, qu'il restaure ta vie, que Dieu te bénisse. Moi-même, là, je suis en train de prier pour qu'il y ait beaucoup de blancs. Parce que quand il y a blanc, il me fait avancer. Nous, les noirs, on ne tente pas de détruire les gens. Quels gens que je n'ai pas aidés? C'est les mêmes gens que j'ai aidés qui cherchent à me détruire. On les a payés pour salir mon nom sur les réseaux sociaux pour rencontrer les coups de riz. Sinon, blanc, quand blanc de coup quelqu'un qui est bon et le protège, nous on le gâte. On met énergie pour gâter. On t'appelle pour dire je vais te gâter, je vais salir ton nom. Hein? Blanc, vous avez gens, lui? Tu es content, non? Vas-y. Juste quand les gens ils donnent bébé, il a fini avec bébé. Les gens lui mettent dans le bébé. Mais tu es une jambe. Il faut dire que le frère blanc n'a pas guéri. Les émotions, va t'asseoir. Tu veux, il a une chance de Amen. Amen. Les blancs, quand ils doivent, ils protègent. Nous, on gâte. Nous, quelque chose est bon, on veut gâter. Un président il est bon, on le gâte. Quelqu'un il est bien dans une nation, on cherche à le tuer. Quelqu'un il est bon sur un village, celui on gâte. Pourquoi nous on a cet esprit tordu? C'est ça notre problème. Hein? Pourquoi c'est l'autre et puis c'est pas moi? Mais c'est sa destinée. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Blanc, venez beaucoup ici, s'il vous plaît. Venez beaucoup. Nous on va avancer. Amen. Amen. Qui je n'ai pas aidé, même à Paris, il y a des gens qui étaient morts, que j'ai vu sur Skype, comme ça j'ai prié pour Dieu les a ressuscités. Ils sont là, ils sont là, ils sont là dans Paris. Il y a des gens qui sont venus sur civière de l'aéroport, dans le fauteuil roulant jusqu'à chez moi, le genou broyé que le Seigneur a relevé. Et j'ai dit, bon, ces gens sont à Paris. Or, si c'est blanc qui vit ça, il peut même vider tout son compte pour me donner. Amen. C'est la vérité. Lui va regarder quoi? Lui là, pour moi il lui donner l'argent. Il va s'enrichir. Quoi? J'ai trop vécu d'ingratitude. Trop. Les gens sont trop ingrats. Tu te saignes, tu vois le combat que tu mènes, comment le diable t'attaque la nuit à cause de lui. Parce que quand vous délivrez, les esprits viennent nous attaquer. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai tout aidé. Demandez Paris. Plus sont venus qui avaient des sida qui ont été guéris. En 2 jours, rapidement guéris du sida. Vite. Je me lève matin, je dis, je crois que Dieu va te guérir. Voici ça. Vas-y. Elle va faire le test, elle est guérie. Il y en a plein de personnes à dire que tu es guéri du sida. C'est une église où Dieu se manifeste. Dis amen. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Ma vie a des apôtres. Le chapitre 2, le verset 41, le verset 47. Ça va? Vous savez, il y a quelque chose quand on est plané dans la salle. Il y a un miracle spécial de Dieu quand on est plané dans la salle. Dites, je reçois au nom de Jésus. Amen.
Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 40. Nous sommes en train de tenir une église, qu'on parle après la délivrance, quand le Saint-Esprit vient, comment une église et pentecôtiste doit se réveiller, marche. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre Actes, chapitre 2, à partir du verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant... Non, le chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptaient... Ok, alléluia. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. Alléluia. On a Amen. Parlé de comment le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, la semaine passée, sur les apôtres. Les 120 qui étaient dans la chambre haute en train de prier, on dit une flamme de feu est tombée sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, n'est-ce pas? Et on a vu que l'apôtre Paul, Pierre, qui avait régné Jésus, n'est-ce pas, va prêcher devant une multitude. Là, on nous donne le résultat. On dit, après la prédication de l'apôtre Pierre, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit à toi, ça te donne cette force, cette capacité de braver la peur. Il y a des gens qui ont peur de prêcher l'évangile. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas bon. Il y en a combien de personnes qui invitent les gens les dimanches? Point d'interrogation. Tu ne le fais pas, tu as un problème. Sauver pour servir. Quand Dieu te sauve, c'est pour le servir. On va bien saisir. Parce que lui, Dieu, il gagne quoi? Il a quel intérêt à te sauver? En retour, ce que tu dois faire, c'est de le servir. Alors quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, ça lui donne cette force. Ça te motive à aller prêcher la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul gagne des âmes, trois jusqu'à environ 3000. Mais regardez, c'est les amener à quelque chose. Ceux qui étaient gagnés par l'évangile étaient baptisés, mais en même temps persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ça veut dire quoi? Quand on a le Saint-Esprit dans notre vie, ça nous pousse à écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent tout le temps à regarder la télévision, à écouter n'importe quoi, mais les enseignements de Dieu ne leur intéressent pas. Mais c'est dangereux. Or, quand tu auras le Saint-Esprit en toi, ça va te motiver, te pousser vers les choses de Dieu, telles que la parole de Dieu, telles que vers la prière. On va bien saisir. On dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. C'est pour ça qu'il faut qu'une église soit réveillée. Il faut qu'une église, qui est l'ensemble du corps de Christ, chacun d'entre nous soit rempli. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons voir chaque fois, pendant nos cultes, des grands miracles et des signes. Vous avez compris? Amen. Et la Bible va plus loin. On dit, ils étaient tous un. Justement, quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a l'unité d'esprit. Amen. Ça crée l'amour. Et tout le monde était motivé pour aider l'Église. C'est quand le Saint-Esprit a fondé dans le cœur de quelqu'un, on n'est plus motivé à faire l'œuvre de Dieu. On n'a plus envie de donner pour Dieu. On est jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils vendaient leurs propriétés, ils venaient les mettre devant le pied des apôtres. Pour dire, tenez, allons-y. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit en toi, je me souviens que à cause de l'orphelinat, il m'est arrivé devant ma voiture. Je pleurais pour voir les enfants heureux. C'est ça le Saint-Esprit qui fait. J'ai pleuré. J'avais une Ismaël, j'aimais tellement cette voiture. J'avais deux voitures, une Nissan. Moi, je voyais ça comme un mort. La Ismaël, j'aimais tout ça. Tout est comme ça, tout ça. Je suis dit, on a Ismaël. Vous allez vendre la Hyundai, on doit acheter ça à 3 millions. Il dit, je voulais, le Seigneur dit non. Je me suis réveillé, le Seigneur dit non.
Je vais aller vendre la Eastside, on va payer ça à 5 millions. Que le Seigneur m'a coincé. Il m'a dit, le plus grand don, c'est toi. Il m'a coincé. Mais je l'ai réveillé. Je vois le Saint-Esprit parler. C'est pour ça qu'il permet au Saint-Esprit de vous parler. Amen. Et le Saint-Esprit parle comme une personne dont vous n'avez pas parlé. Il me parle. Et c'est ça le plus grand don. C'est le don de sa vie montrée. C'est ça le plus grand don. C'est pas le monde de la prophétie que tu as. C'est rien, c'est moi qui fais ça. Est-ce que tu es capable de faire comme moi, te sacrifier? Donner ce qui est bon, ce que tu es. J'ai pleuré ce jour. Je cherche à vendre par l'histoire. J'ai vendu. Ils m'ont réduit dans cette tête. Je ne trouvais même pas. Le gars dit, j'ai vendu. Et puis je suis allé faire l'enfant. Parce que j'ai compris que tout ce que nous sommes en train de faire, vanité des vanités. Le plus grand don, c'est de donner le maximum de nous pour aider celui qui enlève des gens. C'est ça le Saint-Esprit fait. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, vous voyez les gens qui sont en train d'insulter, d'inventer, ils n'ont pas de Saint-Esprit en eux. Parce que quand le Saint-Esprit en toi, il ne te donne même pas le temps d'aller expirer. Tu n'as pas ce temps. Pendant qu'on parle mal de quelqu'un, tu te loues. Parce que c'est pas en toi. C'est ce qui est en toi. Tu es tiré par rapport à ce qui est en toi. Moi, tu parles mal de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Comment il doit faire le mieux? Comment il doit aider? Ma motivation est là. C'est pas quoi. Il y a les gens, toute leur énergie, comment nuire la vie de quelqu'un. Ils mettent tout ce. Mais ils ne donnent pas pour ça. C'est ce qu'on appelle avoir un esprit mauvais en soi. Moi, je voulais avoir un esprit qui est sain. Éviter d'avoir les mauvaises pensées pour mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les deux grands commandements que Dieu respecte. Ton prochain comme toi-même et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Les deux grands commandements. Il dit, celui qui fait ça, accomplit la loi et le prophète. Il y en a combien de fois qu'il pense aider son prochain? Regardez quand le Saint-Esprit animait la première église primitive, on dit même le pauvre, on ne le reconnaissait pas dans l'église. C'est ça l'image de l'église, l'église où il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, ne me voyez pas à venir faire les clans de bêtises ici. Non! Je suis désolé. J'évite ça même d'ailleurs. Parce que dans les églises, les gens font des clans. J'ai l'impression que celui-là, il est dans un groupe ethnique, donc c'est notre église. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas question d'éthylie. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants. Surtout toi, tu es congolais. Et moi, il n'y a pas de clan. On a plus un peu. Nous sommes un en Jésus. Il n'y a pas de clan. Et j'évite même vous parler vos ethnies ici. S'il vous plaît. Oui. En dehors de l'église, vous pouvez parler le lingala. Le bété, le doula, mais à l'église, parler dans une langue pour que tout le monde vous entende. Sinon, ta langue, tu parles dans le dialecte, là, ça peut critiquer qui? Et ça, c'est un grand piège dans les églises. On dit, je donne un le cœur, même esprit. Voilà. On dit, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu aimes ton prochain, tu n'as pas connu Dieu. Quand le Saint-Esprit a commencé à remplir la vie, ils ont commencé à aimer Dieu que leur prochain. C'est ça la vraie église. Quand l'église est remplie du Saint-Esprit, vous évitez la rébellion. Je vous ai toujours dit, la rébellion existait dès lors, depuis le ciel. C'est pas mon maître, ça voit ça. Même chez Dieu, il y a eu des rebelles. Au ciel. Lucifer a fait une rébellion dans le ciel. C'est pas nouveau. Dès que tu commences à avoir le Saint-Esprit en toi, c'est fini. Il y a des choses que tu vas commencer à éviter de faire. Rentrer dans les histoires des clans. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, quand il voit même quelqu'un qui n'est pas bien dans l'église, commence à prier pour lui. Il a envie de l'aider. La chose qui peut transformer quelqu'un, ce n'est pas les critiques, c'est la prière. Ma bien saisie. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir Dieu se manifester, ayons le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit dans cette église, nous allons voir Dieu des grands miracles. Amen. Les miracles ne sont pas d'actualité dans les églises parce que c'est des clans. Le groupe est uni dans les églises. On passe tout le temps à parler dans les trucs. On méprise l'autre qui vient d'arriver. On le regarde. Le plus petit qui vient d'arriver aujourd'hui, soit on doit l'entretenir, on doit l'aimer, on doit l'encadrer. Amen.
On doit savoir ce qu'il veut. On ne doit pas se moquer de quelqu'un qui vient de commencer dans la foi. Quelqu'un même de nouveau. Qui... Aidons-le. Soutenons-le. Aidons à faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. C'est sans doute à être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que David dit, ne m'arrache pas ton Esprit Saint et ne te retire pas de moi. Si le Saint-Esprit n'est plus dans ta vie, tu n'es plus éclairé. Si le Saint-Esprit n'est plus dans ta vie, tu as un esprit de garement. Il y a des gens vous êtes, qui sont assis, ils ont des années de chrétienté, ils n'ont plus du Saint-Esprit en eux. Tu vois leur raisonnement, leur manière de parler, tu sens que le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne peux pas les convaincre. C'est-à-dire que les gens disent, non, le Saint-Esprit te pousse à faire les bonnes choses. Ça va? Recevez la puissance de Dieu. Dans cette salle, vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Vous allez voir, pendant que vous êtes assis là, vous allez voir quelque chose va se passer. Vous allez voir quelque chose va se passer dans la salle. Quelque chose va commencer à se passer. Pendant que tu es assis, tu vas voir la présence de l'Esprit. Reçois, reçois, reçois. Pendant que vous êtes assis, vous recevez la visite de l'Esprit de Dieu. Hey! Pendant que vous êtes assis, recevez la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu, recevez la plénitude, la présence. Dieu vous remplit, rien de recevez la plénitude et la puissance de Dieu. Reçois là où tu es assis. L'Esprit te dit. La Bible dit que cette promesse est pour vous et c'est pour toi aussi. Tu as besoin de rentrer dans cette plénitude de la présence de Dieu. Reçois, reçois. Dieu nous appelle à être des grands. Dieu nous appelle à être des hommes puissants. Dieu nous appelle à être des hommes puissants. Recevez la gloire de Dieu. Reçois. Reçois là où tu es la plénitude de la présence de Dieu. Reçois là où tu es. Dieu te touche. Dieu te remplit de son esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez. La puissance de Dieu. Recevez la puissance. Oh, la puissance de Saint-Esprit. Oh la bacha et en débris, ça va. Pourquoi? Parce que je ne veux pas
Je ne veux pas qu'il se marie. Tu ne veux pas qu'il se marie? Oh, Kadir, là, il ne se marie pas. Ah bon? Non, 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 non. Et pourquoi? Oh, je ne veux pas. Pourquoi? Je ne veux pas. Pourquoi? Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle se marie. Qui va se marier? C'est toi qui as caché le pied d'Ishman. Oh, c'est moi. Comment ça fait? Je vais le tuer, lui. Je vais le tuer. Il t'a fait quoi? Hein? Je n'aime pas même du tout. Mais pourquoi? Je n'aime pas. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi ils s'occupent que de leur maman? Ah, pourquoi ils donnent l'argent à sa maman? Et moi, je fais quoi pour lui? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Oh! Mais si je ne dis pas de sa maman, qui va s'occuper de sa maman? Mais c'est moi qui ai pris sa maman. Pourquoi lui va s'occuper de sa maman? Ah, pourquoi il s'occupe de sa maman? Comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Nyan Nyan. Et lui, c'est moi Nyan Nyan. Je vais le tuer, lui, je le tue. Mais pourquoi? Lui, je le tue. Parce qu'il donne l'air à sa maman. Oui, parce qu'il s'occupe de sa maman. Et moi, qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Oui, qui s'occupe de moi? Il a dit Ousmane, je le tue, lui. Je le tue. Je vais le tuer. Je le tue, lui. Tu ne pourras plus le tuer. Oh, je le tue. Non. Je le tue. 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 Tu as gâté Ousmane. Tu as gâté Kadi, c'est ça que tu as dit? J'ai dit Kadi, elle ne se marie pas. Elle va pas se marier. Non, elle ne se marie pas. Où tu as mis son mariage? Son mari, elle est enterrée au cimetière. Tu as enterré son cimetière? Oui, au cimetière. Hein? J'ai enterré son mari au cimetière. Tu as gâté qui encore? J'ai dit Maïla. Elle, je l'aimais beaucoup aussi. Elle ne s'occupe pas de moi. Dans elle, elle se marie pas. Je vais éloigner son mari là qui l'aime. Là. Je l'éloigne. Tu éloignes son mari? Oui. Elle ne va jamais la voir. C'est fini. Ah bon? Elle va rester comme ça aussi. Je préfère qu'elle reste comme ça sans se marier. Oui. Ah bon? Oui, mais j'aime ça. Comme ça, et tu n'as pas la malheureuse. Elle est Fanta là. Elle, je l'attends tout le temps. Fanta. Oui, Fanta, je l'attends tout le temps. Je l'attends tout le temps. Elle a, c'est qui encourage Ousmane. Elle a courage. Donc, elle, je l'attends tout le temps. Elle a courage Ousmane. Elle va venir bientôt à Abidjan. Je l'attends. Pour la tuer. Elle, c'est là que je l'attends. Pour la tuer. Je l'attends là-bas. Je l'attends là-bas. Je l'attends. Pour la tuer, c'est ça? Je l'attends. Elle nous a donné une information capitale, tranquille. Donc, on va régler son problème. Okay. Maintenant, on tombe dans le nom de Jésus de l'individu. C'est pour ça que c'est important de venir dans les sens de prière. Ceux qui recluent, ceux qui vous mettez à la maison, c'est de la sorcellerie. Il y a un temps dans la semaine qu'il faut être connecté à Dieu. Tu vas la laisser, tu vas maintenant les laisser dans le nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Je ne veux pas, je ne la lâche pas. Qui es-tu? Elle me l'a donné, oh, sa tante me l'a donné. Elle m'a dit c'est ma femme, je la prends. Je ne veux pas qu'elle se marie. Elle ne doit pas se marier. Qui es-tu? Tiens, hein? Ne me pose pas de questions. Sa tante me l'a donné, elle m'appartient. Hein? Oui, je la laisse pas. Elle l'a donné à qui? À moi. Toi qui? Moi. Toi qui? Elle l'a donné ta tante, c'est qui? Quelle tante? Sa tante qui s'appelle Nyanya. Hein? C'est elle qui me l'a donné. A donné à qui? À moi. Toi qui? Je dis pas mon nom. Mais si, je tu vas dire ton nom. Je dis pas. Non, si, tu diras ton nom. Gadila, elle m'appartient. Ah bon? Oui, elle m'appartient. Et pourquoi? Sa tante me l'a donné il y a longtemps. Mais dis-moi ton nom. Pourquoi dis-moi. Je vais... Mais si, nous avons besoin du nom. Je ne dis pas. Si. Non, je ne dis pas. Si. 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 Sa tante me l'a donné. Sinon, le feu sur toi. Le feu. Ah non, le ton feu là, il n'aura pas d'effet sur moi. La preuve, c'est que tu es déjà à terre. Ah, ton feu n'aura pas d'effet sur moi. Tu es déjà à terre. Ah non. La puissance de Dieu. Ah. C'est grâce maintenant. Hein? Hey, tu vois? Allez, pardon, pardon. Allez, je vais tout dire. Allez, je vais tout dire. Allez, je vais tout dire. Allez, voilà, je vais tout... voilà, il t'écoute. Ah. Qui es-tu? Oui. Qui es-tu? Je suis. Oui. Oui. Oui, qui es-tu? Ah. Qui es-tu? Mm. Qui es-tu? Oui. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Ah. Ta tante t'a donné à qui? Qui es-tu? Ah.
Tu donnes ton nom maintenant. Qui es-tu? La tante a donné à qui? Qui est ton nom? Donne-moi ton nom. Je vais envoyer le feu sur toi. Qui es-tu? Je suis. Je travaille avec sa tante. Oui, mais quel est ton nom? 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 Pardon. Pardon. Donne-moi ton nom maintenant. 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 Donne-moi ton nom. Hé! Hey! Quel est ton nom? Mon nom. Oui. Mon nom c'est. Mon nom c'est. Faut pas perdre mon temps. Oui, je sais. Mon nom. Oui. Mon nom c'est. Jésus-Christ. Mon nom. Mon nom c'est Adam. Adam, tu te trouves où? Tu es où? Je suis quelque part dans un tombeau. Non, mais un tombeau, tu ne peux pas être adonné à qui? Tu es un sorcier ou pas? Oui. Et tu vis où? Je vis dans la forêt. Non, ce n'est pas possible. Tu vis où? Tu vis où? Je vis à Yamoussoukro. Tu vis à Yamoussoukro comment? Tu fais partie de la famille? Oui. Quel est le lien entre toi et sa tante? C'est difficile de dire. Tu as promis de nous donner l'information. Elle travaille avec elle? Oui. Hein? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a vendu? Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu quel deal entre elle et toi? Elle, en fait, c'est ma fille. Elle est ma fille. C'est en échange de ma maladie. Oh, je ne voulais pas dire. À l'échange de quelle maladie? Je ne voulais pas dire. Pardonnez-moi, mes enfants. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est ma fille. La fille est qui? T'as dit ma fille. Oui. Mais je l'ai donné en échange. De quoi? Ma maladie. Quelle maladie? Je suis malade. Tu as quelle maladie? Eh Dieu, pardonne. Tu as quelle maladie? Pardon, t'as dit pardon. Quand on est malade, on va se faire soigner, on ne donne pas quelqu'un. Dieu, pardonné, t'as dit pardon. Tu savais, mais je ne voulais pas que tu dises aux autres. Je ne voulais pas. Pourquoi tu l'as dit? Je ne voulais pas que tu parles. Pourquoi tu as dit aux autres? Les enfants me détestent maintenant. Oh, pardon, t'as dit. Je ne voulais pas que les autres sachent. Oh Dieu, j'ai voulu te donner pour guérir. Et voilà aujourd'hui. Dieu, pardon, Kati. Vous savez que le diable ne jamais donné pour guérir. Je te fais du tort, pardon, Kati. J'ai détruit ta vie. Je demande pardon. Non, donne-nous la vraie raison. C'est pas. Non, parce que la guérison, pardon, pas qu'on me dit que ça soit la seule vraie raison. Pardon, Kati, pardon. Je peux que te demander pardon. Demandez-lui pardon. J'ai détruit sa vie. Dieu, pardon. Pardon. Non, je ne parle pas de ta vie. Oui, pardon. Je parle de donner la personne parce que je voulais guérir. Oui, pardon. Pardon. Oui. On ne peut pas donner une personne parce qu'elle parle de Nyanya. Oui. Tu as donné à Adam. Oui. Moi, je retiens pas ce qu'il y a fait de lui. Non, Adam, c'était une histoire. Je vous demande pardon. Non, ce n'est pas une histoire. Nous, on a retenu l'histoire. Oui, mais pardonner, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non. Je suis bien cette histoire, c'est vrai. Non, c'est, non, c'est vrai. Vrai, parce qu'on ne peut pas donner l'âme de quelqu'un en échange d'une sorcellerie. C'est pas possible. Nyanya m'avait promis que si je lui donnais un de mes enfants. Si je donnais un de mes enfants, j'allais regagner ma santé. Non, tu allais avoir plus de pouvoir, c'est ça? Non, c'est pas vraiment. Non, merci. Parce que la sorcellerie ne donne pas un enfant pour avoir la santé. Ça n'existe pas. Nulle part dans une convention de sorcellerie. Non, non, non. Il donne ça pour avoir des pouvoirs. Pardonnez. Donne-nous la vraie raison, c'est quoi? C'est vrai, tu as raison. Voilà. Tu as raison. C'est moi-même qui ai détruit tous mes enfants. C'est moi-même qui fatigue mes enfants. Je vous demande pardon. Non. C'est vrai, le pardon, c'est à Dieu. On va dire toi de pardonner. Mais non, donne-nous l'histoire. Tu as donné les enfants pour quoi? Dieu.
Parce que Kadi, je n'arrivais pas à l'atteindre. Kadi a pris beaucoup. Kadi a pris beaucoup, je n'arrivais pas à l'atteindre. Non, il fallait, je leur ai dit de prendre une personne au hasard. Dieu. Non. Mais je ne pensais pas que. La sorcellerie dit pas, il faut choisir. C'est eux qui me l'ont imposé. C'est eux qui me l'ont imposé. Ils m'ont dit soit si ce n'était pas Kadi, c'était Ousmane. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Je vous demande pardon. Pardonnez. La vraie information te dit ça. Pardonnez. Mais je t'ai dit ça. Pardonnez. Je suis prophète. Pardonnez-moi. J'ai promis ta vie. Je t'ai dit qu'il faut être patient. Le processus est en train de continuer. C'est comme ça que je suis. J'en ai déjà vu. Les choses sont en train de sortir. Pardonnez-moi. Avec moi, il faut être beaucoup patient. On a temps de régler beaucoup de choses à la fois. Tu vois? Parce que je m'intéresse beaucoup. Je prie beaucoup pour ça. Le monsieur, il marchait, puis il est tombé, et puis, l'os, la fémur s'est cassée. Donc les médecins me sont étonnés. Tu vas marcher ici. Il y a un réseau qu'on attend de démonter. Il y a un réseau de sorcellerie dans votre famille qu'on attend de démonter. Tu le matin, on va résoudre le problème d'abord. Je suis un maraîcher, je travaille comme des militaires. Amen. On peut travailler maraîcher. Moi, je suis trop révolté contre la société. Quand je me réagis, je suis révolté contre la société. Pourquoi on ne combattra pas la société? Pourquoi vous voulez qu'on laisse ce combat? C'est pour ça que celui qui combat le prophète Crasso, il est doublement condamné, il est mauvais. Parce que nous libérons les gens qui sont otages des sorciers. Nous n'acceptons pas ça. Voici pourquoi les gens m'en veulent. Les agents du diable. Parce que je commets beaucoup de dégâts. Je les mate au maximum. Je n'accepte pas. Il vient pour rien. Il vient pour rien et sans raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout ce que l'esprit, il n'y a pas de raison. Tu as envie de vivre ta vie, dis-là. Ou pourquoi tu ne donnes pas ta vie, c'est la vie d'autrui. Tu te donnes quoi? Dans ta propre vie. C'est pour ça que nous sommes tous révoltés contre le phénomène de la société. Parce que des innocents sont victimes. Faire tout, vous ne pouvez pas me décourager. Je continuerai mon combat. Jamais vous ne pouvez me décourager. Moi, je sais plus ce qui peut m'effrayer. Toutes sortes d'injures, j'ai connu. Toutes sortes de trucs, je ne sais même plus. Je regarde mon combat. Je mènerai mon combat. Les victimes, on va les délivrer de ça. C'est ça qui est plus important. Lâche-la. À partir d'aujourd'hui, nous prononçons le délivrance, la délivrance. Voilà, tu quittes définitivement la vie dans le nom de Jésus. Tu m'entends? Voilà, lâche-la. Et le mal retourne contre toi. Voilà, ça retourne contre toi. Ça retourne. Ça retourne contre toi. Voilà. C'est fini. Est-ce qu'on peut se tenir debout, Anesta? Est-ce qu'on peut se tenir debout, tout le monde? On lève les mains et nous demandons, tu demandes au Saint-Esprit de venir dans ta vie, de lui accorder la grâce, de t'accorder, n'est-ce pas, cette délivrance. Prions ensemble, Seigneur. Ouvre la bouche et invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je vais toute la salle en train de prier. Je vais toute la salle. Vous priez, vous priez. Recevez la puissance de Dieu. 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 Voilà. Continuez de prier. La fin de ton règne. Maintenant même. Tu pars définitivement de ta vie. Voilà, tu pars. Voilà, tu pars définitivement de sa vie. Tu pars définitivement de sa vie. Voilà, on est là.
Tu vas définitivement de sa vie. Tu vas définitivement de sa vie. Tu vas définitivement de sa vie. Lâche-la. Lâche-la. C'est la fin de ton règne. Tu vas partir. Je brise toute forme d'alliance et de pacte ici avec sa vie. Les pactes et les alliances sont brisés dans le nom de Jésus. Je libère sa vie au nom de Jésus. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Qui es-tu? Qui es-tu? Continue de prier, prie, prie. Demande au Seigneur de remplir ta vie de son esprit. C'est pas comme son prière, s'il vous plaît. C'est pas une prière. Une prière fervente. Je vais voir tout le monde en train de prier, en train d'invoquer le Seigneur. Invoque-le plus loin que ça. Plus loin que ce qu'il est en train de faire. Invoque-le, ouvre ta bouche. Tu pars d'elle et tu lâches ta vie. Faut prier pour dire: Seigneur, remplis-moi de ton esprit, libère-moi. À haute voix, commencez à parler. Demandez au Seigneur, invoquez Dieu dans votre vie. Demandez le secours de l'Éternel. Ce soir, je suis manifeste. Je te libère. Je te libère. Je te libère.
Elle vous visite là où vous êtes maintenant. L'Esprit de Dieu vous visite. L'Esprit de Dieu vous bénit. L'Esprit de Dieu vous visite. L'Esprit de Dieu, la plénitude et la puissance de Dieu vous visite. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Hé! Comment? Comment? Allez, fais! Allez, fais! Fais, fais, fais! Allez, fais! Fais, fais! Fais! Puissance de Dieu, puissance de Dieu. Lève la chaise, lève la chaise, amen. Fais! Allez! La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Ora baba shaka baba 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 ora baba 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 hey hey ora baba shaka baba baba ora shayon de presa baba 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 la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Commande au nom de Jésus-Christ, reçois cette présence, reçois la puissance de Dieu, reçois la grâce de Dieu sur ta vie, reçois la manifestation et l'onction pour te libérer dans le nom de Jésus. Faut que nous soyons visités par la puissance de Dieu. Pour que le Saint-Esprit nous bénisse, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez la plénitude, la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous bénit maintenant, recevez la plénitude du Saint-Esprit.
Roger, reçois. Plénitude de l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est important que vous soyez remplis de l'esprit de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit dans ta vie. Il le faut.
Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour prendre des hommes d'autorité sur les esprits dans ta famille, dans sur ta vie et dans ta maison. Vous recevez une puissance et vous serez le témoin. Le Saint-Esprit te donne l'autorité sur les démons. Reçois là où tu es. La puissance. Lâche-le. Allez! Nos visites ce soir, sa plénitude nous touche ce soir. Recevez la plénitude de l'Esprit de Dieu. Recevez la plénitude. Je demande à tout le monde d'être devant ici. Tout le monde est devant. Tout le monde, venez devant. Tout le monde, venez recevoir la plénitude. Recevez la puissance de Dieu. Levez les mains. Aujourd'hui, les mains dont tu souffres va partir, ira dans le nom de Jésus. Pendant que quelques mains sont levées, la puissance de Dieu te visite. Ma fille, viens, viens ici. Tu es délivré, amen. Elle est libérée. Lève ta main. Lève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte. Je t'accepte comme sauveur, et Seigneur, personnel. En dans mon cœur, fais de moi la personne, que tu désires que je sois. Que je sois. À compter de ce soir, je renonce à toute forme de pacte, formelle et informelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir accepté, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir délivré. De m'avoir délivré. Et de faire de moi ta fille. Et de faire de moi ta fille. Merci d'avoir inscrit mon nom dans ton livre. Merci d'avoir inscrit. Désormais, désormais, je suis enfant de Dieu. Désormais, je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Quel que soit le démon, vous pouvez prendre autorité sur lui. Nous sommes l'église de Dieu. Le diable en train d'agir, nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps de dire le diable est à l'heure. Le diable en train de terroriser nos maisons. Le diable en train d'avoir, n'est-ce pas, une même mise sur nos enfants. Le diable en train d'agir sur nos foyers. Le diable en train d'agir nos vies. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, nous allons les chasser. Amen. Amen. Tout ce qui était faux, c'est la puissance. C'est pour ça que Jésus dit, restez ici, jusqu'à ce qu'il vienne sur vous la puissance d'en haut. Quand les disciples ont compris qu'avant de démarrer, il fallait la plénitude de l'Esprit, ils sont restés là dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient en prière, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est posé sur chacun d'entre eux. Amen.
Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre est parti prêcher l'évangile. Et la prédication de l'apôtre Pierre va sauver des milliers de personnes. Amen. Et l'onction va commencer à se manifester. À point que son nom va guérir les malades. Sa signe va guérir les malades. Amen. De Dieu, Dieu fera de toi un homme important dans ta maison. Amen. Je sois le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Aucun démon ne te résistera. Amen. Amen. Le démon qui a visité la sœur. J'ai dit au Seigneur, j'ai chassé des démons, mais démons là, mon Dieu au secours. Et le Seigneur dit tout est possible. Amen. Amen. Ce qui est en toi, c'est l'onction de Dieu. Amen. Aucun démon ne peut te résister. Amen. Les démons ont été chassés. Les démons disent aux sept filles de Séba, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul et vous qui êtes vous. Il faut que les démons reconnaissent votre autorité. Amen. Vous pouvez aller jeûner pour ça. Vous pouvez aller prier pour ça. Devant l'échec, vous verrez la réussite. Devant le célibat, vous aurez le mariage. Amen. Parce que l'onction, c'est la force qui brise tout joug de la servitude. Amen. On dit, la Bible dit que l'onction brise le joug. Quand vous aurez l'onction devant vous, tout ce qui est dressé comme montagne va s'écrouler dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'onction. Quand vous avez l'onction, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit, de l'information que vous donne, parce que ce qui est en vous produit le miracle. Amen. On dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu dit que la lumière soit... La lumière vue. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours un miracle. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est toujours un miracle. Amen. C'est tout. À un moment donné, tu n'auras plus besoin du prophète Crasso. Toi-même, tu seras face à ça. Amen. Il faut que tu agisses avec ce qui est en toi. Amen. La Bible n'a pas dit ce qui est en Crasso. Non, il dit ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jamais un Crasso n'a sauvé quelqu'un. Dieu passe par lui pour sauver. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça te donne une sérénité. Face à l'adversité, face. J'ai toujours dit aux gens, quand vous voyagez dans l'avion, vous allez être confronté à la turbulence. C'est forcé. Quitter Abidjan, aller en France, à Paris, aller à Abidjan, il y a turbulence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver. La turbulence ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à destination. Ce qui fait crier les gens, c'est la manque de confiance en soi et la manque de confiance en Dieu. C'est ça que Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Et quand vous avez la foi, quelle que soit la turbulence, quelle que soit l'adversité, vous gardez votre sérénité. Et c'est ça de quoi l'ennemi a peur. Lui vous agresse, vous n'avez pas peur. Il finira par comprendre qu'il a affaire à quelqu'un de sérieux. Amen. Parce qu'on dit que le diable est comme un lion rugissant, il rugit. Et la proie du diable sont les faibles, ceux qui paniquent. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, gardez le calme. Moïse dit, c'est Jésus que vous voyez là. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour nous, mais Amen. Vous gardez le silence. Amen. Mais quand il parlait, il était devant l'océan. Oui. L'océan. L'océan. Les gens disent, mais quoi? L'océan? On n'a jamais vu ce genre de miracle, ce prodige. Mais regardez ce que Dieu fait. De quoi tu n'es pas capable, frère? Il peut changer la tendance. Il peut changer la situation. Fais confiance en Dieu. Dis à quelqu'un, fais confiance en Dieu. D'accord? Si vous attendez quelque chose, dis, Seigneur, c'est ça. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais moi, je lui fais confiance. Et je m'attends à ton miracle. Toute situation qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Voyez ça comme un miracle déguisé. La mer rouge devant Israël est un miracle déguisé. Dès qu'ils ont cru, la mer s'est fendue. Si tu ne crois pas, la mer va t'avaler. Parce que ton pied, tu t'es réveillé, ton pied est malade.
dont tu penses que tu ne feras pas ton bien. Ah, on m'a attaqué, mais non. Dans l'attaque, il y a quelque chose que tu veux faire. Ce matin, c'est Amen. Prenez l'autorité sur ce qui vous arrive. Les gens étaient étonnés de voir Jésus menacer même le vent. Calmer la tempête. Parce que ce qui en lui est fort, ça peut maîtriser la tempête. Ça peut maîtriser l'adversité. C'est pas une question de grâce. Non. Si tu le connais et que tu l'as expérimenté, rien ne te freine. Ils m'ont emmené un jour, j'étais à Grand Lahou dans un village. À Grand Lahou, on a traversé la ville. On allait très loin, 3 km derrière le route. C'est pas comment on appelle ça. C'est entre la mer, l'océan et la lagune. Il y a un morceau de terre qui est le sac. Dans le village, là, il y a un village, dans ce village-là, il y a une maison hantée. Tout le monde qu'on met dans cette maison, la personne crie ma tête. Elle déménage. Or, il y a une personne n'est pas dans cette maison. Et c'est une semaine après, ils ont découvert le corps. Vous voyez, après ça, la maison est devenue hantée. On m'invite le prophète pour délivrer le village. Et c'est moi, on loge là-bas. Il vient tester dans ce que c'est ma vie. Ils ont les yeux tout le monde, mais le prophète, lui, c'est ça, on lui a réservé. Mais c'était joli, hein. c'est pas les maisons gagnées. Si c'était pas gagnées, bien, tout ça. Moi, je suis allé, j'ai dit merci Seigneur, j'ai fait ma prière, j'ai dormi. Matin, ils sont venus très tôt. Moi, pour m'avoir servi, 9h, non, 10h, 11h, je sors, vous me brossez, tout ça. Mes petits arrivent, qu'on parle un peu du programme du village. On vient, mais tout le village me réunit, les notables. Ça va, lui? Je ne me lamente pas. Ils sont assis, ils attendent que je dise quelque chose. Je ne dis rien. Je dis, mais tu n'as rien vu. Donc moi, je pensais qu'ils me posaient la question s'il y avait eu des sorciers dans le village. J'ai dit, je n'ai rien vu comme sorcellerie parce que les amis sont embargos. Personne n'a volé dans le village. Ils sont sous embargo. Leur aéroport, là, ça ne bouge plus. Ils ont dit, amen. Ils sont retournés. On a fait le croisade le soir. On a pris les villageois, on les a pris, ils ont parlé. Ils ont revenu après. On dit, j'ai dormi, la maison va te la haine. Donc moi j'ai commencé à prendre son sérieux. Des questions bizarres comme ça. Et c'est un, le comité, le président des jeunes qui a dit, viens. Les gens ne sont pas sincères, quoi. Ils ne peuvent pas dire la vérité. La maison, quand tu dors dedans, à 1h du matin, à partir de 1h, tu cries, tu as oublié de fuir de la maison. Donc eux-mêmes sont dépassés. Deux fois que tu as fait 2 nuits dans cette maison, sans que quelque chose ne t'arrive. Je leur ai dit, le jour où je suis venu, le démon a déménagé. Amen. Amen. Il a déménagé. C'est lui à moi qui va avoir peur. C'est moi qui le terrorise. Ce qui en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. C'est pas sur les démons qui vous terrorisent. C'est comme ça, ça y est. Pourquoi c'est le diable qui doit vous faire peur? Dis amen. Amen. Aujourd'hui, la peur va disparaître. Dis amen. Amen. Et ça va changer de temps aujourd'hui. Amen. Levez les mains, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse encore. Recevez la puissance de Dieu sur vos vies. Recevez la grâce de Dieu. La main de Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Et la main de Dieu agisse maintenant. Recevez la guérison. Recevez la puissance de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On dit amen. Alléluia.